Voilà plus de 50 jours et 50 nuits que nous, occupants et occupantes du Théâtre National de la Colline, occupons ce lieu. Je suis devant le théâtre. J'ai mal au ventre. J'ai l'impression que le théâtre porte un costume. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise blague? D'une nouvelle pièce? Ces affiches me semblent assez obscures. Elles sont symboles de ce à quoi je ne suis pas habituée. De ce à quoi je n'ai pas été éduquée. Les manifestations font trop foule, trop souvent. Pourtant, je suis là, devant l'occupation du théâtre de la Colline, et je veux y entrer et filmer. Quoi faire d'une telle sensation? Bah, allez-y si vous voulez, moi je peux pas y aller. L'occupation se fait dans l'entrée du théâtre, sous les gradins, sous terre. On dirait un peu un aquarium. Ce vase clos possède bien les traits d'une pièce de théâtre. Le temps est différent, comme distendu, et il manque le soleil. Ils forment un groupe. Ils sont dispersés en même temps, tantôt tout seuls, tantôt ensemble. C'est difficile d'entrer dans leur conversation, car ils ont leur propre code. Ils tentent de recréer un monde là-dessous. Je vais essayer de le comprendre. Je vais discuter. Mais je sais que moi, je passe vachement dans des émotions très différentes ici. Genre, il y a des moments où je suis genre, ah, ça y est, je suis intégrée, là, ça y est, c'est bon, et tout. Enfin, après, on a des places différentes. Et là, je suis genre, ouais, c'est bon, là, j'ai saisi les personnes, je sais où je vais, je sais comment je me comporte. Et des fois, d'un coup, j'ai l'impression que ça marche plus du tout et que je fais que des trucs genre super gênants, super à côté de la plaque, ouais, et que je sers plus à rien et je suis genre, ah, c'est horrible, ouais, c'est dur, ouais. Ça fait mal, ouais. Ouais, enfin, je me sens juste énorme et genre éléphant dans un magasin de porcelaine, je tape partout et je... C'est, en fait, c'est une question de repère aussi, beaucoup. Et rien que tout à l'heure, quand je me faisais à manger, en fait... je me faisais à manger, mais en même temps, je me disais, putain, est-ce que je dois pas faire à manger pour d'autres? Est-ce que je peux vraiment me servir? Donc en fait, il y a ce truc de, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Je vais me faire au lieu, je pense que mon corps va se faire au lieu. Je le pense beaucoup de manière corporelle, en fait. Je suis perdu aussi corporellement, quoi. Moi, je suis arrivé ici, et j'avais aucune connaissance de l'écriture inclusive, par exemple. J'en avais lu, mais la pratiquer... Au quotidien, c'est pas quelque chose que je faisais. Et c'est des choses comme ça, ou même la notion de donner son pronom quand on se présente. Et découvrir ça, je me disais, tiens, c'est curieux, quoi. C'est curieux de se présenter de cette manière et tout. En fait, l'avantage que j'ai eu en arrivant ici, c'est que j'ai commencé par le jeu. On a d'abord fait des jeux théâtraux ensemble. Et rencontrer quelqu'un par le jeu, ça permet de pas passer par tout le détour social, de qu'est-ce que tu fais, les discussions qui peuvent être un peu plus conformes et gênantes. Est-ce qu'on retourne dans le théâtre qu'il y avait avant, ou est-ce qu'on prend ce théâtre d'assaut, en fait? C'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est fini les salles de théâtre. Formalisation, il me semble, c'est la scène qui parle et les spectateurs qui ferment leur gueule du début à la fin. C'est pas ça le théâtre. À la base, c'était pas ça le théâtre. Pour le théâtre antique, c'était pas ça. C'était vraiment un lieu où les gens ils se rencontrent, où il y a de la vie, où il y a quelque chose qui se passe. Fin de l'assemblée générale. J'ai du mal à suivre. Les propositions fusent dans tous les sens. J'ai la sensation que ça ne va nulle part. Je suis sceptique sur leurs revendications et leur façon de faire. Je me sens oppressée dans cet espace. On est dépossédé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on est, nous? De nous-mêmes, peut-être, de là où on habite, de ce qu'on mange. Qui on est, qu'est-ce qu'on est, et pourquoi on est là? Donc on a besoin de se réapproprier tout ça.
Ça va être très répétitif. Hein. Si vous voulez, je peux jouer quelque chose de moins répétitif. Non. Toi, t'es triste ? Non, non, je suis pas triste, je suis... pas très optimiste. Pas très optimiste du tout. Mais... j'essaie de faire comme si je l'étais. Comme ça, du coup, peut-être ça va marcher. Bah déjà, moi, je suis arrivé, vraiment un peu... je suis pas arrivé avec des idées de grands changements. Je suis arrivé ici, dans la poche, j'avais un demi-meuge de C et j'avais une moitié d'ecstasy. Je dis, vas-y, on va faire la teuf. Je ne m'attendais pas du tout à rester 3 semaines, tu vois. Ici, reprendre l'emprise ici, on peut dire... Surtout, j'ai l'appréhension du vide. J'impose ma chance. Comme si tu te retrouves, j'ai l'impression, en haut d'une falaise. Je sers mon espace beurre. Qui est énorme, le futur. Et je vais vers mon risque. Ok, donc je vais là-bas. Quand j'en parle à l'extérieur, personne ne les connaît. C'est bizarre. À la fois, ils y croient, à la fois, ils n'y croient pas. Le problème, c'est que je les trouve trop rêveurs. Comment est-ce possible de croire autant à ce qui est impossible, à une utopie ? J'ai conscience que c'est pas cette occupation-là qui va changer tous les rapports sociaux et toute la manière dont on produit les richesses, etc. Mais c'est déjà un bon départ. Et puis ça nous donne du cœur à l'ouvrage aussi. Parce qu'en dehors de ça, moi je vais continuer à militer, je vais continuer à aller dans les manifestations, je vais continuer à parler à des amis, je vais continuer à rester actif. Mais là, on se forge des souvenirs, on se forge une contre-culture, on se forge quelque chose qui nous permet de sortir de nos représentations classiques. Je sais pas ce que t'appelles utopie. Utopie, ça voudrait dire que ce serait impossible à atteindre. Ouais, en gros, ouais. Ou alors que c'est vraiment... c'est du rêve, quoi, presque. Ouais, même plus personne ne croit en le grand soir. L'utopie, c'est pas on va recréer un monde comme ça, mais les aspirations, c'est ce qui va te donner des lignes, des points de fuite, des horizons. L'utopie, je la vois plus comme une ligne de direction, vers laquelle on tend asymptotiquement. C'est-à-dire que on y tend, quitte à la frôler du doigt, mais sans jamais vraiment y être. Parce que vivre dans un monde sans oppression, sans violence, etc., je pense que c'est juste impossible. L'utopie est profondément désirable. L'utopie, si tu veux, pour le militant, c'est l'étoile du berger. C'est le repère. C'est ce qui brille dans la nuit, c'est quand t'es en pleine mer, tu sais pas où aller, tu suis l'utopie. Je dirais qu'aujourd'hui, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, on a déjà gagné en fait. On a déjà niqué le système. Comment ? Le gouvernement s'attend à ce qu'on s'isole, il s'attend à ce qu'on se laisse faire et il s'attend surtout à ce qu'on obéisse. Et à travers cette expérience humaine, démocratique, militante, tout ce que tu veux, moi, tout ce que je vois, c'est qu'on se rassemble, en fait. C'est un vecteur de créativité, de rencontres. Moi, je vois tous ces soirs où il y a des âgés qui sont parfois interminables, mais on se retrouve après autour d'un piano et on commence à lire des poèmes, à chanter. C'est ce rapport à la solitude et moi c'est quelque chose qui m'effraie. C'est comme ça aussi qu'on se rencontre, quoi, comment on découvre quels sont les goûts des uns et des autres, quelles sont leurs sensibilités. Et bonjour, c'est un vrai mot. Bonjour, quoi. Je souhaite bonjour à quelqu'un quand même. C'est beau de se dire je partage ces moments qui sont précieux. Je suis en manque de débat, je suis en manque de collectif aussi. J'ai plus de lieu pour répéter, j'ai plus d'école. Le théâtre,
Ce lieu-là, il est là pour la rencontre, il est là pour s'émanciper, il est là pour éduquer, pour enrichir. Désolée, j'ai pas besoin de câlin ce moment. Je suis en train de rattraper un an de câlin ici. Alors, est-ce que le sens de leur action réside dans leurs revendications? Ou de possibles changements futurs? Le sens n'est-il pas au présent? Dans le fait de vivre heureux, ensemble? Là, tout de suite. C'était loin de moi. Celle des moins.